Donc salut tout le monde, c'est Croxys pour une petite vidéo de PVP, donc face à deux adversaires différents. Donc là je vous annonce aucun des combats, je vous laisse le suspense jusqu'au bout. Donc le premier à se faire c'est un négatif anglais, assez étrange hein, parce que bon pour tout le combat il s'est mis à rager parce que je voyais le gameplay du streamer, mais voilà, donc je vous laisse regarder ce petit combat. Et le second combat face à un Sagida, donc suspense jusqu'au bout comme je vous ai dit, je vous annonce aucun résultat. Bon, je vous rejoins ensuite pour un commentaire après match. Vous comprendrez très vite pourquoi, pour vous présenter le danger principal du Sagida. Donc à tout de suite, je vous dis bon visionnage. Thank you.
ce petit combat qui se termine sur un combat avec un rush kick de Stika Flip, comme je vous ai dit, hein, assez étrange. Donc voilà, par contre, le combat face à ce Sadida, qui lui se termine plutôt, on va dire qu'il commence assez bien pour moi, on va dire. Je ne m'attendais pas du tout, je pensais le jouer basique, avec un gameplay normal, mais voilà, je me suis rendu compte que j'avais pas assez d'informations sur cette classe, donc vous verrez bien l'issue du combat. Donc à partir de là, je vous laisse de nouveau regarder ce combat face à ce Sadida. Et je vous commenterai ensuite le combat et ce que ce combat m'a appris, parce que je suis surtout là pour apprendre un maximum de choses sur toutes les classes, etc. En PVP qu'avec le steamer, en évitant de les jouer. Mais il se trouve que là, je vais devoir faire un peu plus que ça. Donc à tout de suite. We'll be right back.
Donc voilà, je suis là pour vous présenter ensuite, justifier on va dire, la défaite que je viens de subir face à ce Sadida. Donc en gros j'ai communiqué des informations plutôt erronées avec une présente vidéo. Donc je pensais que le Sadida qui faisait vraiment le plus peur, c'était le Sadida qui avait le sort, enfin le Sadida Intel, qui avec son poison paralysant vous empêchait de vous régène. Mais finalement, en y repensant bien, le Sadida plus dangereux reste le Sadida multi, qui lui peut s'adapter à la situation, etc. Donc après, moi je pense que ce combat m'a coûté, enfin j'ai perdu ce combat dû au manque d'informations que j'avais et le fait d'avoir sous-estimé l'invocation qui s'appelle la folle. Donc la folle, en général, moi je focus les invocations qui sont vraiment dangereuses, les invocations c'est-à-dire la gonflade et la surpuissante, mais j'ai négligé l'invocation qui peut à long terme vous faire perdre le combat, surtout pour un steamer, parce que ce sort, cette invocation là vous rend vos tourelles vulnérables, et plus vous aurez de tourelles sur le terrain et plus vous serez en danger. Donc moi, ma stratégie de base était de cumuler les folles pour qu'elles puissent me donner de la mobilité. Vous avez vu pendant le combat, vraiment j'étais à 10 PM, donc avec mes 10 PM je pouvais me déplacer sans problème, et le poison paralysant n'était pas vraiment un problème. Mais à partir de là, il y avait la capacité spéciale de cette invocation là que j'ai complètement négligée, qui est l'infection. Donc l'infection, c'est que chaque personnage qui sera touché par l'infection, c'est-à-dire le steamer ou n'importe quelle de mes tourelles, c'est qu'au final, si 3 de mes tourelles plus moi touchent l'infection, le Sadida, les dégâts sont dispersés sur tout le monde. Donc en gros, n'écoutez pas ce que j'ai dit à l'époque, c'est qu'il faut vraiment tuer ces 3 invocations, la gonflade, la folle et la surpuissante. La surpuissante en général, elle pose pas vraiment problème, à condition que vous restiez à mi-distance, mais vous tuez là quand vous pouvez. La gonflade, elle apparaît, vous la tuez. Cherchez pas à comprendre, vous la tuez. Et la folle, pareil. Parce qu'avec l'infection, en fait, ça dépend comment il place l'infection, mais ça va vous focus vos tourelles. Par exemple, là, vous avez bien vu dans le combat que c'est déjà pu tuer ma harponneuse en focalisant ses dégâts sur moi ou sur la harponneuse. C'est-à-dire qu'en gros, les dégâts étaient partagés et lui se régénérait avec le sort. Je me rappelle plus du nom exact, je pense que c'était Sacrifice Pauvresque. Donc ensuite, la ronce, avec mes résistances négligétaires, il a pu utiliser le sort ronce agressif, etc. Donc je vais un peu donner cette victoire, mais grâce à ce combat, en tout cas, j'ai gagné en skill, et franchement, face à cette classe, là maintenant, j'ai pu l'étudier. Donc maintenant, je pense vraiment que j'ai un peu fait le tour de la classe. Donc je pense maintenant pouvoir être capable de remporter des combats face au Sadida en n'ayant aucune surprise. Donc à partir de là, ce combat a vraiment montré que l'infection était vraiment très 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 importante, on va dire. Il faut vraiment tuer la folle le plus vite possible. Au début, elle vous donne tant mieux s'il l'avoue, comment vous êtes sous scaphandre, vous gagnez de la mobilité, mais à partir de là, il faut la tuer. Surtout que pour n'importe quelle autre classe, il faut vraiment tuer cette invocation là, parce que ça permet cette dase de se régénérer quand même facilement 600 points de vie avec un seul sort et de vous taper en même temps, et surtout de vos tourelles, surtout de l'harponneuse. Il me l'a tué et ça m'a un peu niqué, donc dans tous les cas, il fallait reprendre 3 tours pour la préparer, etc. Donc franchement, très bon Sadida, rien à dire. Donc les Kafib aussi, malgré qu'il soit un gros rageux et jouait direct magnifiquement bien sa classe, mais le fait qu'il soit mentalement comme ça, à bousiller. Il a dû casser, je crois que pour le rage qui n'était pas volontaire, il a dû casser son PC. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Hein. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, Twitter ou YouTube, je vous dis à la prochaine.